Salut tout le monde, mon nom est Drunkslan et aujourd'hui on va faire un petit walkthrough de Amnesia, The Dark Descent. C'est un jeu qui est pas récent, c'est un jeu disponible sur Steam aussi, PC, je sais pas combien il coûte. Moi je sais que je l'ai eu au moment des Steam Sales spéciales, donc je l'ai eu genre pour 3 piastres, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour le prendre. Je l'ai joué un tout petit peu, mais j'ai vraiment pas été très loin. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais recommencer l'histoire. C'est sûr que le début va peut-être pas m'effrayer beaucoup, parce que je l'ai déjà fait. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc c'est tout. Donc c'est parti. Commencer une nouvelle partie. Oui. Je vais augmenter un petit peu le son dans mes oreilles. Et c'est parti. Un memento est ajouté au journal. Pour accès rapide à vos mementos, pressez M. Assurez-vous de les examiner avec précision lorsque vous êtes bloqué. Suivez la traînée liquide et trouvez sa source. J, journal. Ça, c'est une boîte d'amadou. Boîte d'amadou, ça sert à allumer les lumières. Telle que celle-ci. Voilà. Ben, je commence à paniquer. T'es capable. C'est sûr que ce jeu, s'il fonctionnait avec la réalité virtuelle, parce que j'ai vu qu'ils ont sorti une sorte de casque VR ou je sais pas trop quoi, on pourrait tourner la tête comme ça, puis tout bouger avec la tête directement, ce serait encore plus immersif. On va essayer de le faire rapidement, j'ai pas envie de faire 50 vidéos juste pour ça. Donc on va essayer de faire super rapide. En même temps, je ne le connais pas. Je l'ai jamais vraiment fait. Je vous dis, je suis pas arrivé très très loin. Je suis resté bloqué devant une sorte de grosse toile liquide. Donc, il fait trop noir. C'est quand on est dans le noir dans ce jeu-là, on commence à devenir un peu fou.
peut se planquer, je pense, parce que je pense qu'il y a un ennemi dans ce jeu-là. On peut juste pas le tuer. Conseil, attention lorsque vous êtes dans le noir, votre équilibre mental en sera peu à peu affecté. Allumez les lumières disponibles dans les environs en utilisant des boîtes d'amadou ou partez à la recherche d'autres sources de lumière. Donc c'est ça, il faut pas rester dans le noir parce que ça nous affaiblit. Alors voir un peu ce qui se passe par là. Ensuite, toujours la traînée de liquide spécial et on va dans les vieilles archives. Les enfants l'encourageaient. Il criait son nom de plus en plus rapidement, l'encourageant à faire. Wow, joli bug. Des livres. J'ai même pas peur. Pourquoi? Parce que je l'ai fait un tout petit peu. Des blattes. Dégueulasse. Bon, il faut que je reste dans la lumière parce que. On va courir un petit peu. Je peux-tu courir un peu? Et voilà, la lumière. La lumière fonctionne avec de l'huile. Et elle diminue assez vite. Alors si j'en ai pas besoin, je l'éteins. Regardez, des fois il y a peut-être quelque chose par là. Et nous y voici. Donc voici, oui. J'aurais aimé te demander ce que tu te souviens, je ne sais s'il me restera grand chose après avoir bu cette potion. C'est parti. Donc voilà un peu d'huile pour ma lampe. Et là, il se passe pas grand chose. Et on fait descendre la lumière. Et on va dans le hall d'entrée. Pas besoin de lumière, il y en a assez ici. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ooh. Pourquoi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas continué ce jeu-là? Parce que j'avais pas de logiciel qui était vraiment très bon pour pouvoir mettre ma caméra et mettre mon gameplay en même temps. Maintenant j'en ai trouvé un, j'en parle d'ailleurs dans ma deuxième ou troisième vidéo. J'ai beaucoup moins de difficultés à vouloir faire la vidéo. Et pourquoi je joue celui-ci? C'est parce qu'ils ont prévu d'en faire un numéro 2. Je sais pas si ça va être une suite ou quoi que ce soit.
mais ça va être intéressant, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça. On va commencer par celui-ci. Laboratoire. Je fais bien un nid ici. Je suis allumé, je vais même pas allumer. Un joli trou d'araignée. Oh. De l'huile. Parfait. Allumer un petit peu. Ouais, je me trompe à chaque fois de bouton. On déplace les barils. Ok, on y verrait quelque chose. Et ben. Essayez vraiment de nous faire peur. Non, tiens. Salut. Un peu. Hey, pousse-toi. Je vais prendre allumer des lumières un petit peu. Ça pourrait être utile. Ah, et voilà. Cheminée. Donc là, ce serait pour faire des potions. Parfait. Maintenant, il faut que je ramasse les potions. Ah, ici. Ouvrir les tiroirs, on va commencer par ce dieu bas. Voilà. Et ici, parfait. Je pense que c'est comme une sorte de sauvegarde. Bon, on a dû réveiller la bébête qui est le monstre qui sommeille ici. On va remettre un petit peu d'huile. Bon, j'ai trouvé une bouteille pour la potion. Allons chercher une autre. Je vais allumer ici. Et on retourne dans le hall d'entrée. Il y aurait une fille. Ouh. Je peux pas l'allumer. Ah, j'ai besoin d'une clé. Bon. Alors, on doit ouvrir à l'étage, là où il y avait la fille qui criait. Fermé. Là-bas, c'est fermé. Là-bas, il y a une substance bizarre. En dessous, il y a une substance bizarre. Alors on a ici où c'est fermé et on a donc ici les archives. Charge. Et on commence à visiter. Il y a des bruits bizarres mais on aime ça. C'est pas grave. Pas besoin d'avoir peur finalement tant qu'on n'a pas vu quelqu'un. Si quelqu'un de chose nous court après à ce moment-là, on verra bien, mais pour l'instant j'ai pas de quoi être effrayé. Et une note de plus. Manque de lumière ici. Parfait. Rien ici. On ouvre la porte. Rien ici. Oh, une note. Non, c'est pas une vraie note. On ouvre. Bonjour. S'allume-t-il ça? Non, ça s'allume pas. On ouvre. Oh. Des vêtements. Et rien de plus. Une note. Ici, rien du tout.
Apparemment qu'il y a un petit curseur pour nous aider. C'est pas évident quand même. Il fait trop noir ici, il faut que j'allume une lumière. Bon, il a pas aimé que je pète la lumière. Parfait. On ouvre. On prend ça ici. Ici, rien. Ici, un coffre. Avec un petit peu d'huile. Les, des livres bizarres. Pouf. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Parfait. On s'en va. Yeah. On continue. Fermé. Je crois qu'on a fait le tour parce que par là j'en viens. Donc, continuons notre aventure. Très très grande maison. Je sais pas si j'habiterai là-dedans par exemple, plus c'est grand, plus c'est effrayant, plus c'est vieux, plus c'est craque. Un peu de sang. Rien d'alarmant. Un peu d'huile. Parfait. Lumière, je ne vois rien. Un parchemin. Pouf, on s'en fout. Des parchemins et d'autres parchemins. Bonjour. Non, ça discute encore. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. Yeah. Just time anyway. Let's go. We can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Bon. Je commence à lire des bébelles puis tout s'écroule. Ridicule. Oh, il a pas aimé prendre la petite. C'est bon, comme tout. Bon, on tombe dans le coma. 17th May. Ah là là. T'es capable. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Okay, on avance. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Ah là, j'hallucine. Mon personnage hallucine. Ok, touche la lumière. Non. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Ah, faut pas être épileptique. Alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. The voices of the Arabs pulling me to safety. Firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Thunder. Amadou. Bon, tel que présumé ici. Se bloquer. Cassé. Lumière. You have to be swift when you activate rien the du first tout, one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Dad. Une lettre. Parfait. Lumière. Lumière, merci. Donc on y va.
ici. Donc on y va avec les petites lumières. On prend celui-là et on tire. On tire. Parfait. Est-ce qu'il y en a un autre dans ce coin-là? Est-ce qu'il y en a un autre dans ce coin-là? Je vais mettre de la lumière, je vais rien. Ah! Et voilà. Un passage secret. On se croirait dans Zelda. Ah non, je vais pas la mettre là, je vais l'ouvrir. Y'a rien du tout, bien sûr. Pousse-toi, chaise. Clé. Même pas peur à l'être. Ici, y'a rien. Oh, bah, je pense que j'ai fait le tour. Pas bouger. Là j'en viens. Donc finalement on retourne par là-bas. Nice. On l'a vu. Je crois qu'il a disparu au coin et je le verrai pas. Ah oui, il disparaît. Ouh. Tout le monde a vu la grosse bibite. C'est parti, hall d'entrée. Faut que je me dépêche. Ouch! Ça veut dire que ça vaut pas la peine d'y retourner. Je pense que j'ai tout visité. En fait, je suppose que c'est ça, mais ça se trouve. Oh! Tada! Heureusement que j'ai l'œil. Ouais! Oh, je peux pas les allumer. Bon, il nous reste cette pièce là à aller visiter. Poupi, 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 poupi. On va mettre ici. Utiliser la clé. Oh, ça veut dire que j'ai une sauvegarde. Ce qui va conclure notre premier épisode de Amnesia, The Dark Descent. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Lumière. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.